investir dans ce rêve, ce que vous voulez faire, ce que vous sentez bien à l'aide pour investir, pour faire, pour faire. Le business, c'est le business. Donc là, je ne peux pas mélanger le travail moi, avec le sentiment. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure de la vidéo. Alors, c'est bien pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a une vidéo qui est consacrée avec business, avec entrepreneuriat. Donc, il y a une vidéo pour nous parler de comment on va faire business en Haïti, comment on va mettre tête ensemble avec les jeunes parents, les jeunes qui vous font confiance, les jeunes qui vous font investir, faire un plan d'affaires, monter un projet. Pour nous parler de tout ça, on a pu nous voir sur le plateau, monsieur Pierre-Jacques Harrison Honoré, un jeune entrepreneur, un jeune cap. Avancer dans le pays, il y a un jeune qui a un business déjà, donc on va prendre conseil dans le menu pour comment on peut monter un plan d'affaires. Juste avant, si vous vous abonnez avec Chanel, si vous êtes nouveau sur Chanel, vous êtes capable de cliquer sur la clochette et puis appuyer sur abonner pour vous capable de jouer une notification de tout l'autre épisode que vous avez sur CMIFR. Pierre-Jacques Honoré Harrison, bonsoir et bienvenue sur le plateau de CMIFR. Bonsoir Semi, bonsoir internaute Semi Info yo, et je suis vraiment très heureux pour ce plateau là pour parler avec internaute pour nous communiquer ensemble avec nous de tout ça que nous connaissons, tout ça. Alors voilà, donc nous allons parler ensemble et nous avons l'opportunité pour nous parler business et pour nous dire internaute Semi Info yo, mais qui ça est entrepreneuriat, mais comment on va mettre ensemble pour faire business, pour nous entrer dans le business, pour nous faire finir l'épisode ça, donc nous espérons tout internaute Semi Info pour envie de créer business. Mais nous connaissons que vous avez étudié et gestion des affaires à l'université de Port-au-Prince. Donc sinon que ça, qui ça vous dit, c'est une fois qu'à apprendre de vous, juste avant, vous avez une astuce pour créer business. Oh, Harrison, c'est un jeune entrepreneur qui a un peu l'objectif dans le domaine du business en Haïti. Donc, et moi, j'ai un diplôme tout en calligraphie et moi, j'ai un cours tout, j'ai des chiffres en ligne sur la gestion du projet. Donc, moi, vraiment très content pour nous parler aujourd'hui à là. Parler business. Parler business, nous parler, ça n'a fait. Donc, et moi, j'ai une entreprise que moi-même, avec un grand chum, nous mettons sous pied tout. C'est une entreprise de mariage, donc qui baille des services. Okay. Mariage, donc tout service qui est englobé avec question mariage, tout ça. Donc nous organisons réception. Ça, tout bagage, okay. Tout bagage, tout sauf les nets, cérémonie, tout accessoire de mariage. Donc nous procurons accessoires et tout, nous faisons commande pour tout ça. Et nous gagnons tout en lot. Bah, nous envisageons de mettre sous pied, donc qui va aller très bientôt là. C'est mon... Donc, son famille business. Bon, oui, oui, son famille business. Oui, donc, je dis là où son jeune cap étudié et entrepreneuriat, pas entrepreneuriat en fait, gestion des affaires, gestion. Et dans l'université de Port-au-Prince. Donc, un peu le monde, les penser business, il a parlé de business, il a parlé d'entrepreneuriat. Il voit que c'est un monde qui décide de prendre cobli pour que lui investisse lui en côté, côté que il est capable de priver. Perdu le game qui m'a même c'est mettre sécurité et financière en jeu. Ou même comme jeune cap étudié, donc qui j'en comprends entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat tout d'abord, c'est l'acte d'entreprendre. Donc, c'est le map entreprendre en activité bien déterminée. Donc, moi, je viens avec une idée innovatrice, moi, structuré l'idée. Et moi, travaille sur l'idée. Moi, j'ai une équipe qui l'a avec moi. Béton équipe sous pied pour un travail idéal pour m'arriver à un but bien déterminé, un objectif bien déterminé. D'accord? Mais là, tout gain de continuance là-dedans. C'est lorsque moi venais avec l'entreprise, moi, je m'étais profond pas. Ok? Donc là, c'est moi monté l'entreprise, monté business. Moi. Ok. Mais gain tout, lorsque moi gain Cobla, là, d'accord? Et pour moi, ouais, entreprise. Qui a montré bien qu'il voulait un push au quelqu'un qui vous dit d'accord, moi investi dans le travail d'entreprise ça tout en connaît qui j'aime moi a tiré comme moyen pour s'attacher d'investissement tout bagaille. Donc c'est tenir ça nous capable qui capable bien là-dedans. Donc nous capable retenir j'aime te dire ou venir confirmer ça me dit business c'est investir en cob dans une idée ou bien dans un projet qu'on gagne. Voilà, donc ou investir cob dans une idée en l'autre monde ou bien dans un projet en l'autre monde. Donc là encore entrepreneur là c'est un monde qui prend des risques, d'accord, mais nous avons souligné un défi qui vraiment marqué mais qui intéressait pas pile, moi c'était l'île. Donc c'est un professeur
et à l'université d'Harvard, il était balé dans business school Harvard. Monsieur il est Howard Stevenson. Monsieur dit comme ça que il me trouve et un autre il faut faire quelque chose professeur ça. Il faut faire recherche sur lui. Donc Howard Stevenson dit que entrepreneuriat c'est profiter de opportunités qui on va dire qui présenté avec vous, qui présenté à vous et qui aller au-delà de ressources qu'on a contrôlé, de ressources qui sont sous contrôle. Donc là tout moi qui a dit que si moi remarqué une opportunité quelconque, un jeune qui gagne un talent quelconque, tout ça, donc si m'investi comme là dedans là tout encore son business, son entreprise, est-ce que vous comprenez ça? Okay. Et donc si c'est un bon exemple, peut-être un jeune qui a qu'on fait des détergents, mais des choses tout ça, moi gagne comme là et puis moi ouais me dit les banquiers, donc comment qu'a fait ça? Donc on peut m'investir dans ou même tout ça et pour nous faire entreprise pour monter, donc on même détenteur de formule là et puis moi oui, nous pas venir sur formule yo après nous pas venir sur yo mais et ah, monsieur ça. Honoré si n'a parlé n'est capable parler de par exemple gain dans business gain gros business gain petit business par contre sous d'accord ensemble avec moi monsieur Honoré donc et dans petit business ou capable par exemple yon moun ki yon moun ka fè manje cuit yon moun ki gen yon petit restaurant yon machine papadap et puis gros business si ka sou permettre par exemple ça aussi un tiers nous ti faut permettre par exemple ça tout donc yon moun ki gen supermarché donc ki gen gros entreprise ki gen nom donc par exemple si bon pa citer nom on pa faire publicité mais konnen grand entreprise ki gen nan pays est-ce que yon moun ki gen idée pour faire yon business soit gros business petit business est-ce que yon capable utiliser même méthodologie pour que capable gen yon plan d'investissement? Ok, donc là, moi, je vais faire une petite approche ensemble avec vous. Donc, si nous entrons dans le secteur, là, nous avons un autre sujet, mais il faut qu'on ait un secteur informel. Et le secteur formel. Mm-hmm. Tout ça. Okay. Donc, nous avons un secteur informel là, il n'y a pas d'impôt versé à l'État, tout ça. D'accord? Ouais. Ouais. Donc, là, nous avons mis. Mon nous dit marchand, bah, papa da, tout ça. On fait manger cuit. On fait manger cuit. On fait mettre la dedans, chauffeur moto, ben, c'est vraiment nous qui est là. On fait mettre la dedans. Mais, il y a une nuance pour vous. Il y a une petite, une moyenne et une grande entreprise. Répétez pour un tiers, nous sommes mieux, il faut être capable de saisir. Donc, il y a une petite, une moyenne et une grande entreprise. Donc là, nuance ça, il faut mettre accent sur. Donc faut inviter moi tout pour me retirer ça me dit au bar avant pour que moi dit c'est petite, oui. Moyenne et grande et grande entreprise qui gagne. Ça fait les nommer comme ça, tout va dépendre du type d'exploitation qui va gagner à entreprise ça. Okay. Est-ce que vous comprenez ça? Okay. Donc là, nous avons dit que nous avons trois types pour trois catégories d'entreprises qui gagnent. Donc nous avons une entreprise de personnes, nous avons une société anonyme collectif et une société anonyme. Donc si nous voulons, donc nous avons un aller sur entreprise de personnes. Donc là, on par exemple et Semna envie fait entreprise accessoire de mariage tout ça. Oui. Donc ils prennent un profond lit. OK, il met l'entreprise sous pied, il fait les procédures normales pour mettre l'entreprise sous pied et puis donc là les entreprises de personnes avec quoi que l'investir. Donc là pour l'exploiter pour le pas fond déficit son nombre d'exercices bien déterminé sur ça genre, que l'investir. Voilà, c'est ça que l'investir. Même genre tout gain société et en nom collectif là qui s'allier ces 2-3 jeunes femmes ou hommes qui mettaient ensemble qui mettait connaissance ensemble, qui mettait bien ensemble, mais qui mettait capacité ensemble pour mener une activité à bon port. Okay? Donc ça, les va demander pour gagner un contrat. Donc, mais dans le type d'entreprise, ça, le contrat verbal suffit. Contrat verbal donc, suffit pour l'entreprise. Quel type d'entreprise? Entreprise en nom collectif. Non collectif. Société en nom collectif. Société en nom. Okay? Donc l'homme dit contrat verbal suffit. C'est pour montrer que bon relation. Qui est en gagnant tout. Voilà. Mais quand même, c'est un business. Je ne vais pas l'inviter. Je vais dire internet pour tout business qu'il a fait pour faire sous base d'un contrat verbal. Jamais. Parce que bon contrat que les contrats de société qui ont tout différents contenus là-dedans qui pour respecter donc, entre associés. Donc, façon qu'il a fondé l'entreprise là, donc la façon qu'il a accepté un lot associé, le trait associé, voilà. Tout ça. Donc,
tout ça ou la donne, si on déficit, comment on gère. Est-ce que vous comprenez ça, nous là? Qui est-ce qui juste investit? Vous comprenez ça, nous là? Donc, dans ce type d'entreprise, ça, il y a un investisseur qui parle à bouger et il y a des investisseurs qui ont géré. Donc, quand même seulement investi, je vous connais, je vous connais. Mais il y a des gens maintenant qui investissent et gèrent. Donc, qui sont des garants de l'entreprise en soi. Qui est-ce qui utilise la raison? Donc, les deux. Investisseur les mecs en pour les tout le bail donc si gien un bail qui moi se faut qu'on est que combien en jeu tout donc après ça va voir si nous deux à la nous mettons un truc sous pied moi car juste bon investissement bon apport financier et puis ou même ou seulement abjé et au gien un apport financier qu'au côté tout okay. Donc on est deux investisseurs mais on n'est pas des gestionnaires okay. Monsieur tu comprends donc on car continuer sans ça tout on car abjé ou entreprise mais on a entreprise donc un comportement très rationnel mais mon en soi qui met entreprise là qui détenteur d'idée il pas utiliser rationalité pour l'agir parce que le plus souvent la rationalité qu'on cause des problèmes ouais, qu'on cause des problèmes parfois oui donc. Mais il est vraiment très bon tout en cas de direction et nous avons parlé tout de société anonyme qui contrat partout des types de type d'investisseur et un type d'exploitation qui est différent par rapport à d'autres sociétés. Monsieur comprend ça nous me désarme. Ouais voilà. Donc nous rappeler pour les auditeurs, pas auditeurs en fait, internautes c'est mieux pour eux, met accent sur ça. Trois grands types ou bien trois types d'entreprises. Oui qui gagne eux. Alors il y a petite, il y a moyenne et grande entreprise. Vous nous parlez tout de questions et comment nous capable investir donc société anonyme. Donc les sociétés anonymes avec nos collectifs voilà c'est un nos collectifs et nous capot ajouter tout gain des entreprises tout qui est lancé sur le marché boursier donc ça veut dire qu'il a accepté des investissements internationaux voilà. Pour comprendre ça nous là donc un pilote entreprise peut pas perdre une notoriété ou bien pour mettre entreprise dans une société anonyme bien sûr et ça qu'à la tête là il capable perdre une entreprise il pas mettre sur le marché boursier parce que automatiquement est-ce qu'on a essayé tout effleurer marché boursier pour internet c'est mieux pour eux donc on dit c'est international donc peut pas perdre et autorité qui a gagné que vous faites ça. Bon, et pas pour pas perdre l'autorité. Ça, c'est son avantage. Mais le plus souvent, pour au besoin d'entreprise à prendre ampleur, ampleur okay, pour arriver plus vite. Donc, accepter monde à l'étranger venir investir. Bon, explique-moi assez bien. Donc, et marché boursier, donc, il est sur Internet. D'accord. Il y a différentes compagnies qui sont là pour ça. Donc, oui, qui pour rédiger, en sorte qui mettait sur. Marche à suivre? Non, pas en marche à suivre, non. Mais qui mettait en sorte. Comment on a dit ça là? En sorte de planning. Donc, sur là, donc, on peut monter sur ce site là et pour des différents entreprises qui gagnent tout ça, d'accord? Donc, on a même jeune des tuteurs, tout, qui pour dire, mais qui gens pour mener un investissement à bien, tout ça. Bah, voilà. Donc, on est en Haïti, M. Harrison. Donc, je n'ai pas décidé au jour le jour, je m'en ai levé, je me dis, je vais implanter un business. Donc, ma étude marché a comment nous est ça en Haïti comme monde qui a étudié gestion de projet est-ce que yon moun comment ta doit aborder question étude marché avant que les plans implanter telle ou telle entreprise dans une zone l'étude de marché donc moi qu'a dit lors pour lancer une entreprise ou bon type de consommateur visé donc là le marché il a pas différents types de connotations. Est-ce que nous comprenons? Donc là, mon cas dit marché à l'icône produit. Ça va aller comme du produit. Moi, par exemple, si je lance un produit cosmétique, ça a son marché qui est différent par rapport à mon qui lance un produit. Regarde, est-ce que vous comprenez ça? Et il y a tout. Comme si là. Et on groupe mon comme si. Qui décide de faire un bagage ou même faut qu'on capable. Par exemple, moi, par exemple, dans une zone. M'habite dans une zone ça là et monsieur Honoré donc si toutefois moi ouais gitan gen yon business de l'eau dans zone là donc moi ka essayer étudier possibilité pour me vendre l'eau dans zone là tout sans que par exemple si on vend l'eau par gallon donc moi doit essayer vendre l'eau par sachet et monsieur Harrison comme si m'a essayer font étude marché donc on a toujours essayé OK donc là on porte action sur étude de marché donc là étude de marché moi même ka dit c'est plutôt ou là sous
et clientèle ou viser. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Donc, j'ai besoin d'atteindre un groupe de monde bien déterminé, mais qui j'aimerais le faire pour m'atteindre, mais qui j'aimerais le faire pour me capter clientèle ça. Donc, pour me faire clientèle là et pour me retenir clientèle là. Donc là, on est là où on va dire, ok, moi lancé dans tel business, vous voyez qui business qu'il a déjà. Oui. Qui fait même produit ensemble, qualité. Qualité produit par rapport à par l'autre. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Qui j'aimerais le faire pour. Pour gérer ça. Pour gérer ça. Ouais. Je vais faire pour gérer ça, tout ça. Donc, où font ciblage, premièrement. Donc, son bagage pour faire, pour cadrer, il faut un plan. Vous ciblez un type de monde. Donc, on prend l'exemple là. Et mariage là. Donc, vous ciblez une catégorie de personnes. Vous ciblez les mariés, donc, ou bien les futurs mariés. D'accord? Oui. Donc, les gens qui ont des aspirations au mariage. Ok, donc là, on a là, on va regarder moi sur marché à combien d'entreprises qui ont le même service, même voilà. Par rapport à la qualité, entre qualité service, moi, par rapport avec l'autre, et puis qui j'en que le cas. Et ça, tout entre tout, et études marché, on est capable de tout concerner, question concurrence, tout ça permet tout, comment vous faites concurrence. Par exemple, je vais prendre là, et on va service avec feature marié, donc mon qui a un projet pour marié, donc, ou même qui sont capables de faire. Ou aller ou chercher entreprise qui a bail service ça déjà. Par exemple, sous jeune entreprise qui a bail service ça qui bail un buffet à $50, donc ou même ou ka essayer bail un buffet à $45, $46, ça qui le pas dérange pour autant. Donc ça permet tout faire concurrence et puis essayer tout, c'est grave dire respecter parole. Donc tout ça ou pas élément de concurrence, leur faire tout marché à vous essayer tout mettre dans plan ou du moins dans projet que gagne monsieur Honoré. OK. Donc, tout ça, yo, c'est des études. Ok? Rêver sur le marché. Ok? Ou est-ce qu'il y a une compagnie qui a le même produit ensemble? Ou bien, produit qui a la compagnie qui a le déjà? Qui a un apport différent? Donc, c'est là pour l'aspect innovatrice idée pour gagner. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Vous avez une idée, faut que vous soyez capable d'essayer de mettre ça nouveau là-dedans, nouveauté là-dedans? Pour... Oui, quand même, il faut mettre une nouveauté. Parce que, par exemple, si je dis un exemple comme cela, je connais que mettre le bagage que aspirer au mariage, je n'ai pas eu accès à elle facile. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je me dis que je n'ai pas fait comme un duo facile. Donc, là, moi-même, comme entreprise qui fait que venir, je me dis que je vais faciliter. Façon pour faire commande garde là ou bien faire pour eux, donc de manière plus facile. Oui, c'est un bagage qui pas là pour voilà monsieur. Donc là ou un bagage qui pas là, un service qui pas là déjà pour capter un clientèle pour qu'il y ait clientèle là. Oui, donc et ça qui est important, l'OAP essaie de faire concurrence, c'est chercher mettre ça qui pas là et dans ça qui est là déjà pour que capable essayer pour qu'on va bien cerner et clientèle. Est-ce que internet c'est mieux qu'on va comprendre comme ça, monsieur Noé? Et là où ok concurrence là c'est base fondamentale et vie commerce avec industrie, ok, donc les ça c'est comme si son loi, ok, qui vient donc là pour la libre concurrence toute entreprise qui doit faire libre concurrence à elle-même, okay? Donc là mais les réglementer juste pour pas gagner abus dans le système là par rapport à consommateurs, est-ce que vous comprenez là, et pour qu'à réglementer l'attitude concurrent au sous-marché. Parce que l'on veut ou non, il y a une entreprise dominante, il y a une échelle dans la catégorie d'entreprise qui a un service quelconque dans la société. Est-ce que vous comprenez? Donc la concurrence, là, il y a une façon pour faire. Il y a réglementé, tout ça. Donc, même si mais est-ce qu'on parle de concurrence et qui est réglementé en Haïti? Est-ce qu'on parle de ça? Ok, en Haïti, nous n'avons pas de loi directement, mais nous avons la jurisprudence. D'accord, qui mettait des balises, bon oui, on a dit ça pour empêcher entreprises entre eux même pour franchir la libre concurrence. Donc là pour pas fausser le jeu de la libre concurrence sur le marché. Parce qu'il y a des publicités qu'on a regardé, par exemple on a regardé publicité hein, et puis telle entreprise a fait publicité hein, et pour guitan ouais sur qui est-ce la shooter directement, est-ce que donc ça n'a pas allé trop loin dans la question et concurrence là selon eux. Bon, ça, li dans concurrence là, mais et jurisprudence là, li mettait des balises, je veux dire. Donc nous avons dit ça que li mettait trois types
mettez trois types de balises. Voilà, de pour balises comme gérer. Voilà, pour qu'à gérer ça qui gagne, hein? Si qu'à gérer genre de concurrence, ça va empêcher les lois. Donc, il dit comme ça que on ne pas supposer faire. On ne peut pas supposer dénigrer en l'autre entreprise. Donc, pour l'entreprise qui en face, on va dénigrer le concurrent. Okay? Donc, il y a l'autre bas encore, il y a une confusion, on ne pas supposer à utiliser nos entreprises pour qu'on un produit, même si ce sont d'autres produits différents ou visant l'autre type de consommateur, on pas supposé créer confusion. N'a pas les business, nous pas qu'à parler business, pas qu'à parler entrepreneuriat et monsieur Noé, c'est que ne pas toucher question crédit en Haïti. Donc ou même qu'il est que tu fais des systèmes crédit que nous gagne en Haïti. Gagne en Haïti. Avant que nous entrions dans système crédit. Autre rectification que j'ai envie d'ajouter par rapport à la question tout à l'heure. Hein. Donc, concurrence là, l'île là, c'est lui qui réglementé ça qu'a fait là. Donc, c'est lui qui baille entreprise, qui baille vie entreprise à groupe, qui baille vie commerce là, il baille goût, il baille en pile, il baille goût, il baille bal valeur que le gain qu'on a. Donc, pour ce faire, il y a réglementé de différentes façons, j'aime te dire là, pour ça me là. Donc, il y a différents aspects pour y mettre en, il y a différentes lois que mettre en bas, disons loi directement. Je vais prendre ça me là, mais automatiquement que monde qui est victime de l'IA, les capoter contre même faute là, les capoter et cause bagaille là, cause ça fait exactement et l'identifier exactement et l'hypothèse contre monde qui fait l'IA, donc qui porte à tête entreprise là. Donc là, vous avez tout droit pour le porter en jugement, mais pour le mener en jugement. Donc, concurrence, elle n'est pas supposée déloyale, elle n'est pas supposée dénigrer, ou elle n'est pas supposée détourner une clientèle. L'autre, là, en l'autre façon qui est déloyale. Vous comprenez? Mais il y a aussi tout, il y a un comportement tout anticoncurrentiel, tout ça. Tout en rentrant en ligne. Donc, je viens de dire, on a essayé de parler des systèmes crédits. Système crédit. Haïti. Bon, pour parler de système crédit en Haïti. Li, je me dis que je suis en étude, mais c'est un sujet qui est assez vaste. Mais moi-même, je me dis que un jeune qui a besoin de un crédit quelconque pour faire un investissement, donc il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types, il y a plusieurs structures qui sont en place pour ça. Il y a la banque qui met des structures, vous comprenez ça, nous avons pour le cas. Pour qu'a dit pour qu'a prêté encore pour faire ainsi, faire ça, faire ça, donc tout ça tout qu'a prêté encore pour faire investissement, même j'ai tout pour considérer qu'il y a un pile business qui est victime d'un mouvement protestation ça yo un pile jeune pas voulait investir les dit ben pays a comme ça pas investir ou même comment comprendre qui incidence selon même que situation pays ça gagne sous monde qui gagne projet d'investissement ou bien plan pour que faire un business dans pays c'est un pays. Bon, tout d'abord nous qu'a dit que impact que vous voulez faire dans moment you fait vraiment you investir ici des jeunes bien des personnes qui t'a envie investir dans le pays a vu avec ça qui passe automatiquement que grand problème que grand bagaille donc et bus sont les porter à atteindre donc on va ça nous là pour un groupe de personnes qui ont besoin qu'on ait tout effort côté déployé pour mettre ça sous pied donc yo frappe yo atteint nous yo craser business là mais moi même on ka dire à un jeune qu'on a qui voulait investir dans un business en Haïti là en ce moment de crise réfléchis bien. C'est vrai que l'entrepreneur, c'est un monde qui prend des risques, mais qui prend des risques calculés. Donc,
mettez tête en place, pas abandonner l'idée. Au contraire, travaille sur son besoin faire. Okay. Donc aucun idée ou travail sous lui et sur comment ça me dit là et continue à travailler on dit ou ça c'est un caméléon qui a adapté à couleur côté donc automatiquement qu'on dans système dans le système là ou adapté ou avec système incapable d'être entrepreneur haïtien aussi n'a regardé comment business yo donc il adapté ou adapté ou avec situation pour business c'est comme si des fortes voilà donc là qui vient censé cacher beauté on veut dire en soi. Parce que mon avis dit donc quitter vite là on va écraser qui fait toute beauté bâtiment mais là l'obligé à mettre des fers forgés tout ça tout bas mais moi qui a dit que je ne supposé investir dans le pays. Investir dans le pays a vient avec des nouveautés, vient avec des apports sociaux, des apports qui bénéfiques avec société. Et autant encore investir dans le pays tout il y a venir à la bonne bail des apports économiques. Donc pour commencer ça donc la vienne aider l'économie pays donc tout en que on vient avec des idées innovatrices donc des idées nouvelles voilà des idées nouvelles mais des idées qui étaient déjà là où juste mettre des petites touches pour et pour avancer ou mettre une équipe à fort qui a dirigé donc un management bien déterminé ou planifier ou contrôler et ou diriger ce qu'on va faire donc toujours qu'un bien objectif pas la guerre. Pas que des situations fait nous c'est vraiment difficile les du vraiment et les stressant les accablant mais pas qu'il t'est écrasé parce que ça dans tête toi donc c'est vous même qui propre limite tête tout donc ça dans tête toi travaille sur lui fais lui et mettez coller ça sous pour faire ça au tout début où t'es parlé de ou même avec Sherlan qui a pas trop prendre et qui a entreprise en fait côté nous aller sous mariage mais est-ce qu'on connaît que il y a un pile jeune qui t'a investi mais il y a un manque de confiance dans l'autre jeune pareil yo côté deux ou trois jeunes gain problèmes en Haïti ou pas ka mettre tête ensemble faire business parce que yo a nèg la besoin faire comme pour aller Chili là donc il dit man faire business et puis les trois jours les parti donc là les qui conseille ou du moins comment capable parler avec jeune c'est ça question mettre tête ensemble pour faire business parce que normalement business qui rive marché c'est deux trois monde qui t'ai un cob qui décide mettre tête ensemble qui réglementer qui bail tête un principe qui rive et par contre ça comme ça été rive. OK donc nous comme ça manque de confiance là les résidés et on ca plus c'est en conséquence de société qu'il y a de société haïtienne qu'il y a et qu'à cause ça que des jeunes qui pas des liens parenté ou pas bon amitié profonde qu'a dit ah moi me ca faire ça ou ca faire ça en mettre pour jeune ça comment ça me zola donc et situation pays à ka fond jeune peut faire une telle activité est-ce que vous comprenez ça oui. Mais il pas obligé comme ça le pourquoi parce que tout d'abord on ka dit il y a des lois qui régissent ce genre de choses d'accord donc et je veux faire une société dans mon collectif automatiquement qu'on est ensemble donc nous chita nous mettez projet à sous table nous dit mais ça nous voulons faire. Donc là, on a nous carrégi un contrat de société qui signé par nous trois, qui a date là dedans, qui a toute bagarre là dedans, et qui signé tout par un avocat. Est-ce que vous comprenez ça, nous là? Donc qui est là et puis qui dit, automatiquement que on associé, t'as décidé de prendre un copier quelqu'un pour bien fondre et traiter quelqu'un qui vit à là avec toute bagarre. Donc là, la loi poursuit nous ça. Est-ce que vous comprenez ça, nous là? Il y a ça là dedans tout, mais je pense que l'état mieux. Si que ou monter en entreprise avec des gens de confiance. Donc je suis avec toi, nous ensemble là, on dit ah OK, moi faut qu'on connaît que si mon bon temps on va pas le retirer la donne pour faire temps ou bien pour les problèmes personnels. Est-ce qu'on va ensemble là? Oui. Parce que business c'est business. Donc là on pas qu'à mélanger travail moi avec sentiment que me gagne pour on bail quelque chose si m'en fait ça ou comment ça me. Vous voulez souligner que dans business pas gagne sentiment. Je crois pas. Parfois, on se voit dire que les gens qui sont attachés avec review, attachés avec objectif, ou bien attachés avec les souvent égoïste. Mais moi, je dis ça pour atteindre l'objectif. Parfois, il faut un sentiment égoïste. Je ne vais pas entrer dans ça trop, pour comprendre ça. Oui. Mais ça veut dire que, automatiquement, que avec les jeunes, viennent fonder une entreprise,
Autre façon que quelqu'un contrat de société. Est-ce que vous comprenez? D'abord, avant qu'on ait un contrat, un contrat verbal. Quand même, chita avant là, m'zou, on fait ça ensemble, mais combien la coûté, mais tout ça, on fait ça m'zou là, mais combien but, nous font budgétisation de ça, nous vie faire. Est-ce que vous comprenez? Depuis nous gâte chita, nous fait ça, c'est un contrat que lui. Donc nous gâte chita et puis nous fait plan, nous fait tout à fait nous. Et puis nous lancer même bientôt on a fait contrat de société là. Et ça ça que t'as lui a me dit essayer souligner question que dans business bagain les amis mon professeur et qui dit il t'a dit dans un cours tout à fait il dit du moment que on prend monde que qu'on n'a pas qu'à gagner contrôle sur eux comme si sentiment pour l'empêcher de décider là-dedans facile pour échouer dans un projet que rien donc soit un projet d'investissement donc les plus préférables je dis on capable chercher normalement pour gagner confiance dans monde il faut bon sentiment tout donc comment essayer faire dispatching entre confiance et sentiment donc pour essayer mettre ça de côté ou le patron entreprise leur pour prendre décision pour capable prendre décision ça bon sentiment confiance c'est deux bah. Donc ça va aller de qui sentiment gagne envers mon OK donc guerre puis la famille qui monte des entreprises mari madame qui monte entreprise qui réussit mais on ka dit l'essentiel c'est viser objectif qu'on gagne donc on va pas pour monde pour faire business c'est pas même objectif avec mais c'est important ça même répéter pour auditeur on va pas on va pas monter un business avec deux monde qui pas même fil d'idée ensemble donc on dit ça OK on besoin fond production là on va produire un maybe ou relé moi-même qui pas qui dit à moi-même ba client pas intéressé mais qu'on nous forcer pour on voulait me faire ensemble avec vous pas ça me là donc là pas mais ou ca joue jeune honnête ou jeune honnête là qui chita avec qui dit ah moi même projet là me veut ça c'est moi-même besoin arriver à un besoin mener projet à un but bien déterminé donc mon monde qui vise grand ensemble avec vous un monde qui vise pour les faire entreprise atteindre un niveau même genre ou même gon l'amour pour entreprise pour pas le faire pour sobre à l'entreprendre là même genre tout ou prendre des partenaires qui gagne l'amour pour les tout qui veulent que l'avancer qui veulent que le développer dans ce que mon œuvre veut l'avancer que le développer pas jamais craser budget pour gagner pour lui là est-ce que vous comprendre ça mzou là donc là mon œuvre en site ensemble voilà OK Aison nous va faire ça ensemble nous voulons faire ça mais ça me capoter et puis me dire OK moi n'a produit tel n'a pas tel produit sur marché mais qui j'en a fait rêver sur mon mais qui ça a fait mais qui qualité mais qui bala et puis nous j'étais à nous faire mais là qu'on est dans pas mettre des sentiments hors de tout ça qu'on a fait avec entreprise et là j'ai gagné quoi avec entreprise fait pour entreprise est-ce que nous même si c'est pas nous même qui dirige entreprise mais la fait pour entreprise. Oui, voilà. Donc, monsieur Honoré, donc, je dis Honoré, nous va présenter sous ce plateau, c'est mille fois. Donc, nous allons parler de business, de entrepreneuriat, gestion des affaires. Donc, le mot de la fin, c'est qui ça, le tapis? Bon, le mot de la fin, donc, nous allons conseiller un pays jeune, investir dans un pays. Investir en Haïti, pas je peux investir, mais prendre des risques calculés, j'en te dis là. Donc, investir dans ça que on faire rien soit faire d'abord investir là-dedans mettre tout là-dedans innover travailler prendre des collaborateurs investir dans tête tout certaines fois voilà, investir dans tête en par exemple ou aimer danser ou condenser ou qu'à la non école de danse pour prendre des
pour qu'on ligne pour une direction pour dire ok mais tel type de danse spécialisé là dedans et puis autant sur cela dedans nous faisons col de danse où est-ce qu'on voit ça ça son type d'entreprise et tout donc soirée mais investi là dedans donc on fait dessin on fait ah et puis ouvrez font galerie ou font ou investir et puis ou fait ou vend tableau fait vente de tableau exposition de tableau tout ça donc ou investi dans tête tout donc on t'a conseillé un jeune investi nan so reme, so vle fè a, so sent bien la den pou investi pou fè a, fò fè l. E an plus tou, nou ka di ke otomatikman ke ou, ou monte entreprise a, nan konseye ou redije yon plan d'afè a. Non, konseye ou redije yon plan d'afè a, kap edo suiv lin pou fikse a, e kap ede tout si yon moun bezon investi nan entreprise a, pour nous voir que maintenant qui ça va l'investir maintenant qui ça m'a mettre comme moi maintenant qui ça va tirer comme est-ce que vous comprenez ça donc là et plein d'affaires là lui répond à des questions comme cela m'a dit comment et qui ça ou va le faire est-ce que vous comprenez ça oui, voilà. Donc, donc qui gens ou compter exploiter ça est-ce que vous comprenez ça là qui gens compter aborder marché à qui gens compter et entrer sur marché à qui genre entreprise va l'exploiter début fin tout ça et ce nous comprendre donc tout ça là dedans tout tout ça pour jeune gérer voilà. Jeune entrepreneur donc voilà. C'est investir dans tête nous et puis investir dans quoi dans monde que n'a pas investi ensemble avec quoi dans soi-même pour avancer quoi dans monde qui font confiance et qu'on fait confiance et qu'on confie ce qu'on veut donc faire confiance à un monde qui veut avancer ensemble avant un monde qui aime ça faire à tout donc il aime le livre avant ça avant ou lance avec ou avance ensemble avec ou ensemble avec n'aller de l'avant ou pas qu'à venir sur plateau Seigneur foi sans que ou pas saluer quelques monde qui cher ou même sans que ou pas quitter coordonnées si toutefois il y en a un qui en autre Seigneur foi tu as voulu entrer en contact ensemble avec vous monsieur Honoré Moi quand dit que me sur Facebook sur nom Harrison Honoré et moi j'ai un compte Instagram tout sur Harrison Honoré et moi j'ai un compte aussi Medori donc pour monde qui besoin accessoires de mariage sur Facebook vous pouvez aller contacter Medori et moi t'a profiter et saluer papa qui sont qui nous soutiennent dans tout ça m'a fait et qui sont extrêmement chers à moi. Et on salue maman tout et puis on salue Chem non qui sont collaborateurs dans business collaboratrice. Toujours travailler par les business ensemble. Et on a profité saluer des partenaires en business comme Bouvet Marco et Jifty. Donc on toujours boire ces leaders sur business. Et je devais saluer l'autre monde encore qui vraiment il toujours a demandé Marison qui sauve les innover qui sauve les faire il est toujours prêt pour dire pour soutenir donc c'est Jules Samuel là c'est ici donc il est toujours a et incité à travailler tête moins et toujours dit il prêt pour supporter pour le camper avec moi dans tout ça que m'a fait donc ce sont des personnes qui vraiment très chères à moi-même et que nous vous une salutation spéciale envers mon saoul. Je voulais connaître que nous kembe nous dans cœur mais nous très cher ça m'a même. Merci et c'est un plaisir pour nous d'être sur plateau aujourd'hui. Donc c'est un plaisir pour nous de partager avec internet qui ça me connaît et c'est un plaisir tout pour ensemble avec nous sur plateau Semi Info aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci parce que vous avez été suivre toute vidéo ça. Son épisode côté nous consacré avec entrepreneuriat, avec business ou même qui jeune. Donc nous avons et Pierre Jacques Honoré Harrison qui t'a porté conseil pour nous comment qu'une capable investir dans tête, nous qu'on capable investir dans business côté l'été dit nous que pour qu'une capable faire une confiance, faire jeune par confiance, investir dans son main, investir dans tête tout. Donc c'est bien faut nous venir fin épisode ça. Nous pas qu'à aller sans qu'une pas saluer Élu Production Sébastien Petit donc qui permettre nous entrer la car aujourd'hui et nous pas qu'à oublier saluer tout sponsor nous Maurice Communication le vrai garage de la bouche avec qui nous entrer la car aujourd'hui nous t'évoter épisode ça pour n'a profiter avant aller pour saluer et Makinel et Marcelin qui est ensemble avec nous dans studio aujourd'hui et n'a aussi invité vous à abonner avec channel là si vous faites ça et puis like vidéo à partager merci restez sur channel là pour un autre épisode de Semi Info.